être à l'affût, se tenir aux aguets, avec vigilance, prête à agir. J'arrive là maintenant devant ce superbe bâtiment du Théâtre Populaire Roman à la Chaux-de-Fonds. Je dirais qu'il fait plutôt bon, ouais. Il y a du soleil, alors que j'ai pu enlever ma veste. On entend un peu les oiseaux. Tiens, c'est quoi celui-là? Je sais pas ce que... Ah, c'était pas un moineau, mais je sais pas. Il avait la queue un peu rouge, orange. Bon. Il y a un petit peu de vent, une voiture qui passe. Bon, et puis moi, je m'apprête à entrer dans ce bâtiment-là pour aller observer l'espèce vivante qui s'y trouve. Donc voilà, je vais entrer dans ce bâtiment. Je vous laisse me suivre, hein, elle va pas venir avec moi. Donc voilà, je vais monter ces marches. Ah, la porte est fermée. Ah si, mais on m'a donné un code, je me souviens. Attendez. C'est donc 7, 8, 9, 5... 3, 2, 7. Yes, ça marche. Ok, alors j'entre. Voilà. Ok, alors je suis à l'intérieur du théâtre. Et alors là, il y a comme pas grand monde autour de moi. Je vais aller m'approcher de là-bas, voir s'il y a un peu de la plus de vie. Peut-être par là, à droite. Ouais, je vois une grande porte entrouverte. Allez, je me faufile. Je pousse la porte, voilà. Attention, attention. Ah, c'est ça, je les entends. Vous entendez? Voilà, je pense qu'ils sont là. Alors, je vais essayer de me faire assez discrète. Hein. C'est-à-dire, je vais essayer de m'approcher, mais pas trop. J'aimerais bien ne pas perturber ce qui se passe. J'aimerais bien les observer depuis le fond, comme ça. Ça me permettrait de comprendre un peu leur fonctionnement, leurs moyens de communication. Alors voilà, j'avance doucement. Chut, vous êtes avec moi, vous êtes avec moi. Doucement. J'ai mal au genou, donc je pense que ce sera la couleur change avec le. Sabine, je comprends. Écoute Sabine, je comprends et je respecte. J'ai beaucoup de respect pour toi, pour tout ce que tu fais dans la base. D'admiration. Pour toi, pour tout ce que tu fais dans la base, et je vais te dire ton truc de genou là, j'y crois. Parce que moi aussi, j'ai la hanche qui craque quand il pleut, donc je sais que c'est super précis. Ok. Étrange. On sent qu'il y a quelque chose d'important qui se prépare. Hein? C'est important de rester patient dans mon cas. Je peux attendre des heures. Voilà, je peux mettre ici. Je bouge pas, je m'assois. Et puis je regarde des heures, voire des semaines. Jusqu'à ce que... Ah oui, attendez, j'oubliais, vous savez pas l'image, c'est vrai. Donc... Il y en a qui boivent de l'eau. Ah, je vois quelqu'un qui mange des amandes. Je crois que c'est une femelle. Tiens, alors là, il y a de la fumée qui sort incroyable. Quelqu'un a fait de la fumée. Et donc, il y a un espace blanc. Un sol blanc, je vois un sol blanc. Avec un mur blanc. Si on plisse un peu les yeux, on voit vraiment un paysage enneigé. Si vous voulez, c'est vraiment un paysage enneigé. Mais sauf qu'il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid. Ça sent... Ça sent pas le froid non plus, ça sent le scotch. Je dirais le scotch. Bon, le scotch et le... Un peu le plastique. Et puis là, il y a des verres. Des gens boivent des choses dans des verres. Et puis sur les côtés, on voit des... Il y a tout un tas de choses. C'est vrai que si on regarde sur les côtés, alors on oublie que c'est un paysage enneigé. Puis on voit des... Il y a des habits. Il y a des scotch. Ah oui, il y a des scotch. Il y a des lampes. Des chaises, il y a tout un tas de choses, comme si quelqu'un allait déménager. Assez fascinant. Et puis en fait, en face de ce... Oula, attendez, je m'éloigne un peu. En face de... Il y a beaucoup de chaises, donc on comprend qu'il y a beaucoup de... Il y a la possibilité de s'asseoir. Il y a beaucoup de gens qui s'assoient. Je vais aller essayer. Je me fais discrète, voilà. Je...
Je vais essayer de m'asseoir sur une de ces chaises. Attendez. Voilà, je suis assise sur une de ces chaises et je regarde. Ah oui. Ah oui, d'accord, ok. Non, tout de suite, c'est vraiment très très intéressant cette posture. On peut, ouais, on peut bien observer, on peut bien les regarder. Ah, il va se passer quelque chose. Ok, ne pas bouger. Je pense que j'ai trouvé ma place. Je vais rester ici. Voilà, je vais pas bouger d'ici pendant un moment. Quelques heures, quelques jours, on verra. Donc là, si vous voulez, je suis restée comme ça plusieurs heures sans bouger. J'ai même pas eu besoin de mon petit coussin portable que je prends normalement selon les endroits. Quelle aubaine ces chaises. Alors, il s'est passé tout un tas de choses fascinantes et je me permets de vous en montrer quelques bouts en accéléré. Alors, ça fait maintenant 4 heures que je suis assise là et je commence à avoir des fourmis dans les pieds. Donc je vais me lever de cet endroit et puis je vais essayer de m'approcher de ces aides. Et puis aussi je pense qu'ils se sont familiarisés avec mon odeur et puis ma présence simplement. Voilà. Différents, de jeux, de moments de plaisir, de... Bon, je vais voir là-bas. Salut, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, merci. Tu fais quoi maintenant, là? Là, je voulais me faire un petit thé, mais comme la pause est courte, en fait, il faut que pendant que l'eau chauffe, j'ai le temps d'aller faire pipi. Ah, du coup, tu vas faire pipi. Alors, oui. Alors, vas-y. Bonjour, salut. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. C'est un moment, il se passe quoi? Là, on prend un souffle, un petit coup. Ok. Pause pipi. Ah, voilà. Voilà. Ah, c'est un moment de pause. C'est un moment de pause. Non, c'est ça. Oui. Parce qu'après, on embraye sur un gros morceau. Donc, un gros morceau, ouais. Que vous allez manger, non? Non, qu'on va travailler. À travailler. Oui. Ah. Une scène assez conséquente. Okay. Donc c'est bien de se faire des petites pauses avant, ouais, ces moments-là. Okay. Parce que ça demande plus d'énergie et tout ça. Ah. On va mettre ça. Reprendre un peu des forces, quoi. Ah, mais d'accord. D'accord, c'est ça. Donc c'est bien si je reste quand même, moi, toujours assez en retrait, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est bien. Ça comme va. Ça, ça va. Ouais, ouais, voilà. Ça, c'est très bien. N'hésitez pas à me dire à quel point ma présence est. Comment dire, je veux dire. Franchement, j'avais même pas remarqué que tu étais là aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un compliment. Jusqu'à maintenant. Ah, excellent. Oui, c'est vrai que... Ok. Bon, bah super. Alors écoute, je te souhaite encore une bonne pause et puis prends bien des forces. J'ai vu qu'il y avait des dates là. Mm-hmm. Je pense que ça peut aider aussi. Merci. Chouette, très chouette. Alors, vous avez entendu cette première approche, tout à fait satisfaisante et agréable même. Le contact passe bien, la confiance est installée. J'ai donc continué avec prudence et délicatesse, et puis j'ai fini par obtenir des moments d'échange très généreux, je dirais. Et donc, maintenant, je vous laisse en profiter. Je me retrouve. Salut, je la
vite une petite planche, j'arrive, ça va ? Bien sûr, ouais. Bah, rentre. C'est bien, je préfère ton sens là. J'avais peur que tu sois déjà partie. Non, je sais rien. Ok, là. On va y arriver. Mon sac. Voilà. Ouais, dehors. Bon alors super, ben on se fait une petite promenade de ici jusqu'au théâtre. Il fait beau. Tu fais beau. Tu prends l'ascenseur tous les jours ? Ouais. Là ? Ouais, ok. Et t'as pris des trucs chauds ? T'as pris soin de prendre des habits chauds pour la chaux de fond ? Ouais, alors c'était, il fallait bien réfléchir pour faire la valise parce que... Tu savais qu'on allait être un peu entre deux... Bah c'est ça, c'est mi-saison, un chaud de fond, il faut tout prendre. Bah et c'est puis, ça. De fait, j'étais c'est... contente de tout prendre voilà, parce qu'on est passé de 22 degrés à de la neige. Et voilà, regardez, il y a Jeanne derrière nous. Salut Jeanne, ça va ? Ça va, Jeanne, t'as un sac incroyable. Voilà, mais c'est personne, un sac Barbie. Oui, c'est un sac Barbie. Donc on va faire un point mode. Donc il y a le sac Barbie. Ah, les chaussures. Il y a les chaussures roses qui rappellent le monde de Barbie. Et la veste, hein, parlons de la veste. Qui serait alors quoi comme couleur, Jeanne tu dirais quoi ? Moi, j'aurais dit... Doré. Bah, moi, j'aurais doré dit cuivré. Cuivré. Tu sais, cuivré il y a de l'or rose, en fait. Tu sais ? On est sur de l'or rose. C'est ça. Voilà. Je pense qu'on est sur de l'or rose. Mais voilà, Jeanne, en tout cas, il n'y a toujours, y a pas de problème. Wow. C'est toujours... Et il y a quand même un peu pour le style, mais quand même des trous. Alors, est-ce que c'est acheté comme ça, Jeanne, ou est-ce que c'est avec le temps ? Alors, il y avait des petits trous et maintenant il y a des grands. Ouais, c'est ça. Oui. Est-ce que je peux toucher ? Ouais. J'ai les doigts très froids. Vas-y. Tu mets ta main dedans ? On a mis la main dans le trou. Et tu vois aussi déjà les muscles et les mollets, des cuisses. Oui, c'est ça. De votre... Donc, peut-être que vous avez une activité assez. Ah, ouais, c'est quelque chose de très physique. Avec Julie de Vanneret, ça se passe souvent sur les cuisses, en fait. Là, comme ça, un claquement de doigts, vous pourriez être n'importe où avec quelqu'un d'autre. Ce serait avec qui ? Oula ! Trop bien cette question. C'est tellement chiant comme question. Non, mais surtout, c'est trop bien parce que du coup, on faut aussi savoir qu'on est en création, pas chez nous. Ouais. Et que du coup c'est un peu rare quand même. Ouais. Et il y a ce truc où il y a la durée, il y a une création qui n'est jamais facile et puis c'est difficile de déconnecter vu qu'on est toujours dans le même village. Ouais. Et si on veut déconnecter c'est ou bien avec les copains avec qui on a passé 8 heures sur le plateau. Ouais. Donc le besoin d'échappement, je pense Jeanne, tu me dis si je me trompe, mais commence à être très important quoi. Rien que la question elle me donne envie de pleurer. Ah voilà. Allez, je peux imaginer pour toi. Vas-y. En Norvège, dans une petite cabane avec Amy. Tout à fait. ouais, tout à fait. Bah toi, c'est à mon avis dans l'habitat groupé près des moutons et tous les animaux nouveau-nés. Avec Laurent et Jeanne, un petit moment ensemble. Oh, regarde, elle fait une grimace. Non, c'est pas ça. Oh, ça saoule. Ah, mais ça ferait pas du bien. Non, mais ça ferait du bien de retourner un peu à la base, quoi. Retourner un peu à la source. Retour à l'habitat groupé et voir mon amie Sophia et mon amie Hélène. Non, mais là, je serai avec ma fille. Ça fait 30 ans que j'ai pas vu, vraiment. Je serai peut-être dans la nature ou dans un parc, posée, tranquille. Eh ben, j'aimerais bien être autour du Mont Blanc, en train de marcher, avec Maxime, qui est mon amoureux. Et puis de se taire et de regarder les paysages. Marcher quoi, dans la nature, c'est possible. Si c'était un animal, tu serais quoi ? Eh, bonne question, moi je me demande si je serais pas une biche. Mes copains ils disent que je ressemble à une tortue ou à un petit dinosaure, mais... Ah ouais. Un petit oiseau qui vit pas trop compliqué quoi, un petit migrateur aussi là, comme ça il fait des bonnes distances. Ah ouais. Il part avec les saisons. Ouais, pas mal. Il voyage avec les copains. Des formations professionnelles, je serais un mouton. Alors moi, par contre, je déteste les chiens. Voilà, ouais. Ça, c'est notoriété publique. Mais aussi parce que c'est des animaux qui me font pitié, tu vois. Ils ont été... C'est des descendants des loups. Ouais. Et ce qu'ils sont devenus me fend le cœur, quoi. C'est vraiment des objets à humains, quoi. Enfin, c'est pas des trucs à leur service. Ils sont complètement indépendants. Et les chats, étaient vraiment, ils ont très peu évolué. Ouais. Maintenant, il y avait un petit écureuil. C'est trop chou parce qu'il y a toute la rue, un peu les gens qui étaient dans la même rue que moi qui se sont arrêtés pour le regarder.
Et après, on s'est regardé entre nous, genre, on l'a vu. Et avec un grand sourire, et ça, c'était trop fou. Et puis, je me demandais aussi, est-ce que toi, tu dirais que cette pièce, enfin, cette expérience-là que vous faites là maintenant, est-ce que tu dirais que cette expérience-là, elle te modifie? En fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir comme on n'y arrive plus à cause de la société, comme on s'est construit, on n'arrive plus à regarder, quoi. Et moi, la première. Et là, je suis en train de faire un spectacle sur l'affût. Et la semaine passée, je me suis fait avaler par le stress. Ouais. Et c'est sans arrêt essayer de repousser ça et de se dire, mais en fait, tout ce qui peut m'arriver, c'est que le spectacle soit pas à la hauteur de ce que j'attendais, mais j'aurais fait mon maximum. Et, ouais. Et surtout, j'ai vraiment envie d'appliquer ce rapport au monde qu'il faut changer, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, c'est en moi. Parfois j'arrive à l'appliquer, ouais. Mais je me fais souvent avaler. Ouais, ouais. Avaler par justement un peu la grosse machine, tu disais avant. Ouais. Enfin, ce truc de. Il y a quelque chose à produire. Il y a quelque chose à produire. Là, on est attendu, c'est presque complet. Enfin, j'aime pas en fait. Enfin, ça me fait trop plaisir, ouais. Hein, ça va être super. Mais bien sûr, mais c'est une autre. Mais ouais. Je me fais avoir, quoi. Ouais. Ouais. Dommage. Ça s'apprend, je crois. Ouais. Ça s'appelle la sagesse. C'est vrai? Non, mais c'est pour vieillir, je pense, encore un peu. Ouais, peut-être. Du coup, là, tu me prends un peu dans une période de ma vie où moi, ce que j'apprends le plus là, ou ce qui me modifie, c'est un rapport à moi vis-à-vis du travail. Ouais, ouais, ouais. Comment trouver un rapport sain, comment faire en sorte de pouvoir tenir sur une certaine longueur. Pas angoissé à enchaîner avec un autre projet ou plutôt continuer à s'enjailler plus que d'angoisser de me dire comment je vais tenir, comment je vais faire. Ouais, ouais. Et essayer de trouver un endroit où ça continue à juste m'émerveiller à chaque fois. Ce qui est dur en fait quand tu passes d'un projet à l'autre, quand tu es loin de chez toi pendant longtemps, quand les projets sont compliqués comme chaque projet est compliqué. Voilà, moi je pense que j'ai un rapport un peu mental et une sorte d'hygiène de vie de travail. Je pense beaucoup à ça en ce moment. Ok. T'as envie de rajouter quelque chose, Jeanne? Hey, coucou les amis, mais comme ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Oh, mais bonjour les filles, mais quel bonheur de vous voir. Ça, c'est l'ambiance d'une journée de travail classique. Oh, coucou. Et oui, oh là là. Oh. Bonjour les amours. Vous êtes tous sublimes. Bonjour les amours. Je parle pas des oiseaux, parce qu'on entend bien les oiseaux là, hein. Mais moi là je suis accroupie en face d'une très jolie petite chose que je suis en train d'enregistrer. Est-ce que vous l'entendez? Elle danse un peu là, elle danse un peu avec le vent. C'est une jonquille. Je suis en train d'enregistrer une jonquille. Vous venez d'écouter le premier épisode d'un possible podcast qui pourrait accompagner des pièces de théâtre. Il a été réalisé, monté et mixé par Camille Mermet et accompagne le spectacle À l'affût de Juliette Ferneret
qui se jouera au Théâtre Populaire Romand à la Chaux-de-Fonds du 25 au 28 avril 2024 et puis au Théâtre du Loup à Genève du 21 au 26 mai 2024. Tous les sons ont soit été enregistrés par mon appareil numérique, soit m'ont été donnés par Stéphane Mercier qui fait le son sur ce spectacle. Vous avez entendu les voix de Jeanne, Pénélope, Juliette, Patrick, Pierre, Juliette. Il y a plein d'autres noms qui portent ce projet. Je vous laisse aller les lire sur le site de la Compagnie de l'Impoli, ainsi que sur le site du Théâtre Populaire Romand ou du Théâtre du Loup. Merci d'avoir écouté et rendez-vous au théâtre.